Coucou tout le monde, on se retrouve pour la découverte de deux nouveaux oracles que j'ai reçus de Plume de Cactus Studio. Coralie a créé ces oracles et d'autres bien sûr. Et voilà, je trouve l'envoi, soit, alors je l'ai ouvert bien sûr, vous vous doutez bien que j'ai pas eu patience. Et je vous l'ai remis quand même dans le petit emballage pour voir... Voilà, c'est très joli la déco, vous voyez, avec ces petits confettis dorés, avec la petite étiquette merci en anglais. Voilà, alors, j'ai l'oracle plume d'essence, qui est splendide. Et là, celui-ci. Dans un petit sac argenté avec une petite lune. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Voilà. L'oracle, silhouette et les amours sacrés. Alors celui-ci est plus destiné à tout ce qui est flamme jumelle, tout ça. Donc, voilà. Mais je vais vous détailler tout ça. Et dans tout ça, en plus, j'ai eu offert des petits messages. C'est-à-dire qu'elle m'a mis des cartes... Pour moi, j'avais envie de les partager avec vous parce que j'avais envie, voilà. Donc ça, c'est un autre oracle qu'elle a créé. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et qu'est-ce que j'ai reçu pour, comme message pour moi? C'est l'union, la carte de l'union. Voilà mon message. Donc, je vous dirai, hein. Je vous dirai ce qu'il en est dans l'avenir. Et avec celui-ci, qui est, si je ne me trompe pas, le complémentaire, parce que le plume d'essence, il y a en complémentaire l'oracle plume de cactus, je crois que c'est, je ne veux pas dire de bêtises, En tout cas, ah non, l'oracle essence de cactus, voilà, c'est le volume 2. Et c'est celui-ci qui est comme ça en dos. Et là, j'ai eu la vigne, intégration, mouvement, dynamique. L'ancrage, hein. L'ancrage, l'intégration, voilà. Donc ça, c'est mes petits messages perso, mais que je voulais partager avec vous. Quoi vous dire d'autre? Ça, c'était un autre oracle. Voilà. Alors, on va les laisser là. Et maintenant, je vais vous les présenter. Alors, je ne sais pas si je ne fais qu'une seule vidéo ou deux. Je vais en faire deux. Donc, on va commencer par celui-ci, d'accord? Par l'oracle silhouette et les amours sacrés. Et ensuite, je vous referai une vidéo pour celui-ci. Donc Coralie a créé cet oracle qui est splendide, hein, splendide. C'est une création qu'elle a fait, si je ne me trompe pas, quand elle était dans une nuit noire de l'âme et après vers les retrouvailles. Donc il se peut qu'il y ait, voilà, au début, il y a des cartes un peu plus... Alors, je les ai mélangées. Donc, pardonnez-moi, hein, mais c'est vrai que j'aurais pu vous les remettre dans l'ordre. Alors, tac, tac, voilà. Donc, ça, c'est la carte du dessus avec le nom de l'oracle. Voilà. Ensuite, vous avez trois cartes. Une qui explique qu'il y a 65 cartes, d'accord ? Aux couleurs de la terre, de l'espoir et de la guérison. Illustré par des dessins inspirés d'un voyage personnel sur ce chemin particulier vers soi. Cet oracle est à vos côtés pour recevoir une guidance inspirante sur cette relation peu commune, souvent incomprise, merveilleuse, mais infiniment bouleversante. Ces cartes vous apporteront un éclairage sur ce lien, sur ce chemin, une aide particulière qui vous unit à l'énergie divine
et aide à savoir où vous en êtes et ce vers quoi vous tendez. Bien que les relations d'âme soient toujours confrontées à des difficultés et ne durent pas toujours éternellement, elles représentent une chance importante de bonheur et de croissance. Comment savoir si vous avez rencontré votre âme miroir sur votre chemin? C'est magnifique. Voilà, là, elle vous indique par exemple, le tirage en croix, avec à quoi ça correspond, tout ça. Le tirage rapide avec trois cartes et le tirage étape, pareil, avec trois cartes. Voilà, elle vous donne des exemples de tirage. Il y a quand même de quoi faire. Hein. Les dessins sont magnifiques. Donc, on y va. Je vous les présente une par une. Alors, les tranches sont toutes simples hein, sur le côté. Ce n'est pas des tranches dorées. Et les cartes sont de très, très belle qualité. D'accord? Moi, ça me va très, très bien. Donc, ça, je suis ravie de tout ça. Quoi vous dire d'autre? Voilà, c'est vraiment un jeu pour les liens d'âme et les flammes jumelles. Ou tirage sentimental si vous pensez à retirer les cartes de parcours sacré. Voilà. Il y a des cartes plus spécifiques pour les parcours sacrés. Si vous pensez à les retirer, vous pouvez vous en servir pour tous les autres tirages. Ok? Donc, ce jeu, il est à la vente au tarif de 40 euros, vendu avec son pochon. Toutes les phrases sont là, d'accord? Donc, il n'y a pas de livret. Hein, tout est inscrit en dessous. Voilà, il est juste très, très beau. Allez, on y va. Bon, du coup, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, j'en suis désolée, mais voilà. C'est pas grave, c'est que c'était comme ça. Le voyage. Alors, je ne vous lis pas tout ce qui est en petit, hein, parce que ça, c'est à vous de venir voir les vidéos pour le découvrir. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Le voyage. Fin de cycle. La communauté. Les masques. Le mur. Protection. Les rouages. L'enfant intérieur. La lune. Inspiration créatrice. La source. La passerelle. Le féminin sacrifié. Souvent, on a le féminin sacré. Là, on a le féminin sacrifié. Très original, ce jeu. Les profondeurs. Si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui fait des cauchemars. Le pauvre. Luxe. La communion. La détermination. La joie de vivre. Le regard mystique. L'apprentissage. La montagne. La voie initiatique. L'accordéon. Le chemin. La spiritualité intérieure. L'effondrement. Le vaudou. La nuit noire. La fameuse nuit noire. Le passé. Déchirure. L'éloignement. Soutien indéfectible. Oh, nous avons la visite d'une mouche. Ou d'une abeille. Non, une mouche, je pense. L'enfermement.
terre aride. L'illusion. J'adore la libellule. La pureté. Avec la licorne. La gloire. La chute éternelle. Alors, elle ne colle pas. C'est juste que comme il est neuf, voilà. Mais elle ne colle pas du tout, par contre. La pointe d'or. Le grand tout. Vous avez vu ce dessin qu'elle a créé. Le fruit défendu. Cheminée de fée. Le guerrier. Le soi. L'ombre. La nature. Le message. Les sons de l'âme. L'aigle divin. Les limites. Jinko. Cycle lunaire. L'unité. Et le cadeau. Voilà, il est vraiment splendide. Alors, je voulais faire mon premier tirage et puis je me suis dit que j'allais le faire avec vous, en fait. Donc, depuis quelques jours, je voulais finir mes horoscopes avant de vous le présenter. Depuis, je me retiens, c'est terrible. Mais voilà, je me suis dit que c'était quelque chose que je voulais partager avec vous sur ce lien d'âme. Donc, je vais... D'habitude, je tire qu'une seule carte. Et là, je vais faire le tirage... allez, le tirage... Le tirage rapide, d'accord? Allez. S'il vous plaît. Donc là, ça s'adresse, ce tirage, à toutes les personnes qui sont en lien d'âme. Et alors, là, je ne trouve plus la sortie. Alors... Là, on va avoir la carte de l'état d'esprit du jour. L'état d'esprit du jour. Allez, s'il vous plaît. L'état d'esprit du jour. Voilà, ça a failli tomber. Voilà, la nature. Tu es un habitant de Terre Gaïa. Tu te cherches. Ton incarnation a pour tout de saisir ta flamme intérieure. Pour but, pardon, de saisir ta flamme intérieure. La nature, le monde du vivant sont une ressource pour toi. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est clair. Voilà. Moi, j'ai besoin de la nature. Donc, sur le lien. Ah, elle est là, parce qu'elle est retournée. Alors moi, je fonctionne comme ça. Chacun. Le cycle lunaire. La lune symbolise la fertilité, l'enfance, le rêve et la mémoire. Elle est le symbole féminin par excellence. Elle relève du domaine de l'intuition et te renvoie à comprendre l'impermanence. Voilà pour votre lien. Et maintenant, on va tirer la carte pour l'autre. Voilà. Bon, ben, il y en a d'autres. Alors, l'autre, on a la carte le féminin sacrifié. Éveille-toi, renoue avec ton féminin sacré. Tu souffres. Afin de devenir plus libre, prends conscience de tes sacrifices. Tu as le choix. Eh oui. L'autre, il croit toujours qu'il n'a pas le choix. Mais si, il a le choix. Hein. Si.
Et il y a la pointe d'or. Transport de l'amour, volonté divine qui invite au choix. Vas-tu enflammer ton cœur ou te laisser souffrir par les blessures qui te sont infligées, qui t'ont infligé tes relations? Que t'ont infligé tes relations, pardon. J'arrive même plus à lire, moi. J'ai fait beaucoup de tirages aujourd'hui. Voilà, je vous le relis. Transport de l'amour, volonté divine qui invite au choix. Vas-tu enflammer ton cœur ou te laisser souffrir par les blessures que t'ont infligé tes relations? Donc, les deux cartes sont très très complémentaires là. On vous dit que là, il a le choix et là, on lui demande de voir pareil s'il va écouter son cœur ou se laisser souffrir encore. Voilà, voilà où il en est votre autre. Et en dos de deck, on a la détermination, ta cible, ton objectif à atteindre. Ton essence principale te pousse à être loyal en ce que tu fais et penses. Voilà. Écoutez, je le trouve magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît, vraiment. Parce que... Et n'hésitez pas à aller le commander très vite. Parce que souvent, les oracles que j'ai... Ce sont des oracles en édition limitée, très souvent. Donc voilà, je vais vous mettre toutes les coordonnées de Coralie en dessous, de Plume de Cactus. Et puis je vais vous présenter le deuxième, d'accord? Le deuxième que je vous ai présenté au début de cette vidéo, qui est là, donc dans une autre vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à retourner vers Coralie pour le commander. Il est vraiment sensationnel et je pense que je vais bien me régaler avec. Je pense que je vais bien me régaler avec. Allez, à tout de suite pour l'autre vidéo.